Aujourd'hui, nous apportions notre récolte de bouchons à Herstal chez Capka. Nous pouvions compter sur un ferronnier malonnois pour un coup de main. Son camion était rempli. Nous partîmes sans savoir la quantité exacte. Sur place, on commence par peser le camion plein, évidemment. Après une petite manœuvre, le cul du camion se retrouve dans la zone de stockage. Il n'y a plus qu'à vider. Après la pesée du camion vide, l'appareillage donnait son verdict, 1520 kg de bouchons acheminés. Dans cette récolte, nous pouvions compter sur le coup de main du centre Second Souffle de Beaurain. Il nous apportait 500 kg. Nous avons comme principe de leur reverser l'équivalent de leur travail de récolte et de tri. Une fois les frais de transport partagés, ils pourront compter sur une petite centaine d'euros. Nous sommes très actifs dans l'organisation de notre stand massage lors d'une AMURED. L'entraînement de l'équipe PMR aura sa finalité dans 2 à 3 semaines. Tout à fait! Après une sortie course à pied et VTT séparés, une sortie duathlon est programmée. La date de l'épreuve approche à grands pas maintenant. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother! Ascension qui par le passé était impossible avec le vélo vert. Voilà où je suis arrivé. J'ai suivi le conseil d'Arnaud et acheté un hardtrail. Le Namuret de cette année va me sembler plus facile, je pense. Ça y est, j'y suis arrivé. Il aura fallu l'achat d'un hardtrail de chez Canyon, peu importe la marque, on s'en fout, pour gravir cette satanée montée d'une amurée entre autres, qui, avec mon Kona, était impossible. Quand je disais impossible, c'est impossible. Regardez un petit peu. I am happy, happy, happy. I am happy, happy, happy.